ou l'animation au niveau de Timouchy. Donc, gardons en mémoire que à gauche, à ce niveau, nous avons ici la bibliothèque liée à notre logiciel. Qu'avons-nous ici au beau milieu du logiciel? Nous avons ici la scène, donc l'espace de prévisualisation que nous avons, où nous allons après travailler sur Teamotion, aller un peu plus en profondeur. C'est la première vidéo quand même que nous sommes en train de faire sur ce puissant logiciel de rendu. Mais ce qui est intéressant, vous allez voir ici un peu la navigation, c'est un peu pratiquement la même chose comme Lumion. Je vous mets ici la vidéo sur Lumion. Donc, essayez de parcourir cette vidéo pour apprécier un peu la navigation sur le logiciel Teamotion. Vous allez voir ici les touches de clavier que vous devez utiliser, W, A, S, D. Voilà, donc aller à gauche, aller à droite, zoomer ou dézoomer, monter, descendre, voilà les déplacements. Nous avons ici les vitesses. Nous avons ici pour tourner à ce niveau, regarder autour de soi, donc c'est le clic droit. Donc c'est le clic droit, voilà. Donc je peux venir ici. Actuellement, je suis en train d'appuyer le W. Voilà, je suis en train. Donc je peux encore, pour descendre, voilà, je descends avec à ce niveau le Q. Je peux facilement, voilà, je remonte encore. Voilà, je peux zoomer, aller ici, revenir. Ouais, à droite, voilà. Basculer vers la droite et la gauche. Donc prenez le temps quand même de maîtriser tous ces, voilà, ces touches de clavier qui sont présentées à ce niveau. Comment faire l'embise, comment faire le panoramique, monter, descendre, afin de pouvoir être à l'aise avec la souris. C'est toujours très bien, très très important d'avoir une souris avec ces logiciels 3D, une souris gamer ou une souris avec fil, sans fil. Toujours avoir une souris lorsque vous travaillez sur ce logiciel 3D. Très important. Donc voilà le troisième élément important sur l'interface graphique ou la première page que nous trouvons lorsque nous lançons le logiciel. Maintenant, passons maintenant à ces éléments qui sont à ce niveau, des éléments aussi importants. Je peux venir ici, aller au plein écran. Voilà, je suis en train de montrer le plein écran de mon projet, de la scène. Voilà, je peux encore réduire. Ici, nous avons des éléments tellement importants, comme ici. Nous avons ici l'heure, voilà, l'heure en temps réel, la vitesse, donc la vitesse de déplacement. Nous avons ici la capture d'écran. Nous avons ici les vues orthogonales. Voilà, très, très, très structuré ce logiciel. En fait, Teamotion, c'est un logiciel facile à maîtriser. Facile. Lorsque vous maîtrisez les bases de l'infographie 3D, Teamotion, c'est un logiciel facile, vraiment facile à maîtriser. Nous avons ici les coupes, tout ce qui a trait aux coupes que nous avons dans le logiciel par quoi la scène que nous sommes en train de faire. Donc le dernier élément à ce niveau, c'est l'arborescence du projet. Vous allez voir ici, donc tout ce que j'ai ici sur ma scène se retrouve ici. Ouais, donc je viens comme ça de sélectionner l'arbre que je viens de poser. Donc si c'est, je viens par exemple à ce niveau ici poser un objet encore, je viens ici par exemple au niveau de véhicule, je vais poser juste un véhicule. Voilà, je le déplace dans la scène. Voilà, à ce niveau, je pose encore à ce niveau peut-être un bus. Voilà, donc je le pose un truc comme ça. Donc, vous allez voir, à chaque fois que je pose des éléments, les éléments encore, ces éléments se retrouvent dans l'arborescence ici. Ces éléments se retrouvent facilement dans l'arborescence. Quand je viens ici, personnage. Donc, je viens, je prends, voilà, des personnes animées. Je vois tous ces éléments qui se retrouvent dans l'arborescence des personnes animées. Donc, je peux facilement venir ici, cliquer, sélectionner des éléments, les bouger, les déplacer, la rotation, l'échelle, ou carrément les supprimer si je veux. Oui, tout est à ce niveau dans l'arborescence. Donc, voilà un peu ce que cette partie nous montre essentiellement.
J'ai ici encore, juste en bas ici, voilà, nous avons un élément aussi important, juste en bas ici, un bloc, qui nous montre en fait quatre palettes également. État de scène, information, BIM. Nous avons ici les transformations, donc tout ce qui concerne la rotation, le positionnement, l'échelle de mes éléments sur la scène. Quand je viens encore ici en bas, voilà, je viens encore ici au niveau de statistiques. Vous allez voir ici le comportement de votre machine par rapport au logiciel T-Motion, par rapport aux ressources, voilà, de la machine. Donc la scène, comment ça fonctionne avec votre machine. Vous allez voir toutes ces statistiques, voilà, sur. Donc vous allez voir toutes ces statistiques sur cette partie que nous sommes en train de montrer sur le logiciel. Voilà. Donc, nous venons comme ça de parler du quatrième élément que nous trouvons ici. Maintenant, abordons le dernier élément que nous avons ici en bas. Voilà, la partie inférieure. Donc, pour commencer, nous avons ici tout ce qui concerne l'importation que nous avons ici importée. Nous pouvons importer plusieurs formats dans le logiciel. Quand je viens, par exemple, à ce niveau, voilà, navigation au clavier, à la souris. Donc, voilà un peu tous ces logiciels 3D qui ont lien avec T-Motion. J'ai ici Revit, 3ds Max, HiCAD, Cinema 4D, SketchUp, Rhino. Donc tous ces logiciels ont un rapport avec avec notre logiciel de rendu T-Motion. Vous pouvez facilement les importer les modèles à l'intérieur. Nous avons ici à ce niveau tout ce qui concerne la partie urbaine du logiciel. Peindre végétation, répandre végétation. Nous avons ici urbain où il me faut me connecter pour voir tous ces éléments. J'ai à ce niveau ici les paramètres. Donc ces paramètres, nous avons ici l'éclairage, l'exposition générale, l'intensité du soleil, tout ce que nous voulons, luminosité par rapport à mon élément ou par rapport à la scène que je suis en train de monter. Par exemple, ici, quand je viens, je me dis actuellement, je suis à 0,75, je peux venir augmenter la luminosité, je peux encore venir diminuer la luminosité. Je suis à 0,75, donc c'est ça le principe. L'intensité du soleil, je peux venir augmenter. Si je veux, je diminue, on peut augmenter. C'est à 25, je peux facilement diminuer l'intensité et augmenter l'intensité du soleil. Quand je viens ici à ce niveau, nous avons ici médias, tout ce qui concerne les rendus, l'animation, images, panorama, vidéo, phasage, tous ces éléments que nous faisons avant d'exporter, ou tous ces éléments auxquels nous touchons avant d'exporter notre projet. Donc, très, très, très important. Voilà. Et maintenant, le dernier point à ce niveau, nous avons ici l'exportation donc de notre fichier ou de notre scène sur le logiciel T-Motion. Voilà, donc, images, panorama, vidéo, présentation, tout ce que nous voulons dans le logiciel. Donc voilà les cinq parties que je viens de vous montrer. Donc en haut là-bas du menu, ici nous avons la bibliothèque, la scène qui est ici avec la navigation. Nous avons ici essentiellement l'arborescence avec les statistiques. Et en bas ici, nous avons la partie inférieure qui contient pas mal d'éléments d'importation ou d'exportation de notre fichier. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour aller plus loin, nous lançons au début de chaque mois une formation personnalisée pour ceux qui sont intéressés dans le logiciel de CAO comme AutoCAD. Je suis en train de vous montrer là un projet sur lequel nous allons bosser dans cette version d'AutoCAD 2023 pour ceux qui sont intéressés par cette formation personnalisée. Donc, non seulement nous allons apprendre à dessiner, mais dans ce logiciel, nous allons apprendre à faire les plans de fondation, les plans de plomberie, électricité, les plans de coffrage. Donc, tous les dessins techniques en 2D, nous allons le faire dans un logiciel AutoCAD. Nous aborderons ensuite l'aspect 3D du logiciel AutoCAD.
Donc, nous allons travailler en 3D, donc dans l'espace 3D pour reproduire tout ce que nous voulons, que ce soit bâtiment, que ce soit immeuble. Je vais pas à pas vous guider pour réaliser tout ce que vous voulez dans l'espace 3D en AutoCAD. Donc voilà, nous sommes actuellement dans l'espace 3D où j'ai ici modélisation 3D, boîte, extrusion. Et nous allons prendre commande après commande pour voir ce que nous pouvons faire ensemble dans ce logiciel. Donc nous allons travailler en 2D d'abord, deux dimensions, et après en 3D, trois dimensions, où nous aurons à réaliser pas mal de choses dans le logiciel AutoCAD. Donc si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas, tout est dans la description. Nous lançons également une formation personnalisée dans le logiciel 3D, Archicad, Revit, plein de logiciels 3D. Et je suis en train de vous montrer là un projet fait sur Archicad 25. Donc nous allons commencer par la 2D, commencer avec la vue en plan et après passer à la 3D. Donc nous allons pas à pas aborder les murs, l'outil dalle, l'outil poteau, comment créer le design par rapport à ce projet. Pas à pas, nous allons réaliser tout le projet en question. Et après, nous allons envoyer ce projet dans un logiciel de rendu comme T-Motion, Inkscape, Lumion et pourquoi pas traiter aussi le logiciel avec Photoshop. Donc si ces formations vous intéressent, nous avons à notre niveau jusqu'à 10 logiciels que nous lançons chaque mois. Donc n'hésitez pas, dans la description, vous allez trouver d'amples informations pour aborder cette formation avec nous. En tout cas, après la conception du projet, nous allons aborder l'aspect design, l'aspect esthétique du projet. Nous allons vous montrer comment commencer un projet, comment terminer le projet et comment imprimer aussi le projet. Donc, on se dit à tout à l'heure pour la formation personnalisée.